qu'aujourd'hui, c'est mercredi, et mercredi, c'est Manzoni. Manzoni, c'est l'auteur d'un roman bien connu en Italie, Les Fiancés. Et il dit la chose suivante. On devrait penser plus à faire le bien qu'à se sentir bien. Et ainsi, on finirait par se sentir mieux. Ce que dit cet auteur italien, c'est vrai dans la vie d'une famille, c'est vrai dans notre lien aux autres d'une manière générale, mais c'est très vrai surtout de notre vie de prière. On devrait penser plus à y faire le bien qu'à se sentir bien, et ainsi on finirait par se sentir mieux. Il arrive en effet que notre vie de prière soit un peu auto-centrée. On passe du temps à se regarder et on recherche la paix pour soi uniquement. On peut oublier alors de regarder le Seigneur et surtout de regarder autour de nous. Se tenir debout cette semaine comme intercesseur, c'est ouvrir nos cœurs aux besoins spirituels et matériels des autres. Intercéder, en fait, c'est répondre à l'appel de saint Paul. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des intercessions, des requêtes pour tous les hommes. Supplier pour les autres est une œuvre de miséricorde, mais c'est aussi un acte de justice. Cela, je crois, nous rappelle ce que nous devons aux autres, ce que nous sommes aujourd'hui. Nous le devons à la prière et au sacrifice de bien des personnes. Nous serions bien ingrats de ne pas en faire autant en priant pour les autres. Une chose est sûre, lors du retour du Christ dans la gloire, ce retour auquel nous nous préparons pendant le temps de l'Avent, la conduite de chacun ainsi que le secret des cœurs seront mis en pleine lumière et la vérité éclatera. Nous découvrirons éblouis tout le bien auquel nous aurons contribué par notre prière et notre charité. Pour l'Église, notre pays, notre famille, nos amis, pour les défunts aussi, et encore pour toutes les personnes que nous rencontrons chaque jour, pour ceux qui ne pensent pas à prier, pour ceux qui ne savent pas prier, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les intentions ne manquent pas, vous le verrez, il suffit de jeter un regard sur le monde qui nous entoure. Techniquement, il suffit d'un papier et d'un stylo. Notez au fur et à mesure les personnes, les noms pour lesquels nous voulons prier cette semaine. Et puis, pendant la journée, nommez ces intentions dans notre prière personnelle. Offrir les contrariétés et les peines pour telle ou telle intention. On peut aussi répéter à différents moments de la journée cette belle prière « Seigneur, prends pitié de nous et du monde entier ». Et enfin, à la messe, nous pouvons unir cette prière à celle de Jésus. Lui qui est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, il prendra chaque âme que nous lui confions pour la présenter à son Père.